Alors, chers téléspectateurs de Euronews TV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. C'est vrai que ce n'est pas en des circonstances pareilles que je m'exprime à votre endroit. En fait, c'est parce que nous allons parler d'une situation assez grave. Et elle l'est véritablement. C'est vrai qu'au Cameroun, qui est une république complètement à la dérive, à la déliquescence morale, la mort ne représente vraiment plus quelque chose d'assez terrible, d'assez grave. En fait, j'ai joué cette chanson d'un artiste nigérian, je crois qu'il s'appelle Prosper Ochinama. Pour rendre hommage à cette quarantaine de civils innocents qui sont tombés ce 14 février 2020 dans un village appelé Ngar. Ngar, c'est dans l'arrondissement de Djundou, dans le département du Ndongamanto, dans le nord-ouest anglophone, ou si vous voulez, le nord du Southern Cameroun. Alors, il y en a une dizaine d'autres qui ont été tués par des individus qui se disent soldats d'une armée au niveau de Mba, je crois. C'est dans le Buis, département du Buis. C'est toujours dans la région du nord-ouest. Dans la région du nord-ouest anglophone. Au nord du Southern Cameroun, bien sûr. Alors, j'aimerais commencer par vous montrer quelques images. Âme sensible, s'abstenir. Voilà la première image. Voilà, il s'agit de cette image-ci que vous voyez. Voilà, le travail de la milice terroriste du régime de Paul Barthélemy Biabine Vondor au Cameroun. Voilà, vous voyez ces corps qui sont complètement calcinés. Voilà, ça c'est la première image. La deuxième image, c'est celle de cette jeune fille, voilà, qui est déjà dans un trou, sur le point d'être ensevelie. Voilà, vous avez vu? Voilà les images. Voilà le travail d'une armée professionnelle au Cameroun. Voilà d'autres images. Il s'agit de très très jeunes garçons et d'une petite fille, un bébé d'environ 8 mois. Je crois que c'est ce bébé de 8 mois là. Voilà. Voilà une autre image de ces jeunes enfants d'à peine 11 à 12 ans, ouais, qui ont été tués. Et d'après les dernières informations, c'est une dizaine de jeunes enfants de moins de 15 ans qui ont été tués hier en gare dans le département du Ndongamanton par l'armée camerounaise. Bon, ce qui tient lieu d'armée au Cameroun. Voilà. Voilà une. Je crois que c'est le bébé qu'on a vu dans la précédente vidéo, le bébé de 8 mois. Le bébé de 8 mois. Voilà donc quelques images. Quelques images du massacre, du carnage orchestré par la milice terroriste de M. Paul Biya au nord-ouest anglophone du Cameroun ce 14 février 2020. Alors maintenant, je vais m'adresser à M. Paul Biya, le président de la République du Cameroun, chef suprême des forces armées. Monsieur le Président de la République, est-ce que vous avez regardé ces images-là qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux? Vous êtes un abonné de Twitter. Est-ce que vous avez vu ces images-là sur Twitter? Monsieur le ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo, est-ce que vous avez regardé ces images-là? Si oui, quel est l'effet que cela vous a fait? Vous êtes en plus d'être ministre de la Défense, vous êtes un père d'enfant. Vous avez une femme, parce que parmi la quarantaine de civils
innocents qui a été massacré aussi bien dans le Ndonga Mantum que dans le Buis se trouvait une femme enceinte. Votre femme a été enceinte au moins une fois dans sa vie. Quel effet est-ce que cela vous a fait? Monsieur le général René Claude Meka, chef d'état-major des armées, est-ce que vous avez regardé ces images? Si oui, quel effet cela vous a fait? Il me semble que vous aussi, vous êtes un père d'enfants. Vous avez une femme et vous avez des enfants. Qu'est-ce que cela vous a fait? Quel effet cela vous a fait de voir les corps de ces enfants en train d'être ensevelis? Monsieur le colonel bandit et voyou Joël-Émile Bancuy, vous qui m'avez accusé d'apologie de terrorisme au Cameroun, quel effet cela vous a fait de voir ces images-là circuler sur la toile? Monsieur le général Anka Valère, qui est ils appellent ça quoi? Commandant de la région militaire interarmée, je ne sais pas où c'est numéro 3 ou numéro 5, du moins la région militaire interarmée qui coiffe la zone anglophone. Est-ce que vous avez regardé ces images? Si vous avez regardé ces images, quel effet cela vous a fait? Monsieur le général Anka Valère, vous avez déclaré il y a quelques semaines ou quelques mois à la voix de l'Amérique que bientôt vous allez déclencher la guerre. C'est donc cette guerre-là qui est déclenchée comme ça. Vous abandonnez ceux-là qui vous combattent, à savoir les Restoration Forces, les groupes armés indépendantistes. Vous les abandonnez là où ils se trouvent. Vous vous acharnez sur des innocents, des petits-enfants de 10-15 ans, des femmes enceintes, des bébés de 8 mois. Vous abandonnez la guerre. Vous avez dit que vous allez déclencher la guerre. Hein? C'est ça? C'est donc cette guerre-là qui s'est déclenchée comme ça? C'est donc ça, cette guerre? Juste parce que les gens ont refusé d'aller voter, alors vous décidez de lancer des opérations punitives pour les tuer. Juste parce qu'ils ont observé le mot d'ordre de lockdown lancé par le gouvernement indépendantiste, alors vous décidez de lâcher vos chiens armés pour les massacrer, pour les dévorer, pour les tuer. C'est de ça qu'il s'agit? C'est de ça qu'il s'agit? J'espère que vous écoutez cette vidéo. J'espère que vous l'écoutez. Et j'espère que mes frères et sœurs, vous qui êtes en zone anglophone là, vous m'écoutez. Dites-moi, général Anka Valère, le colonel Bancuy, le chef d'État, le général Meka, le ministre Betty Assomo, Paul Biya, est-ce que ces enfants qui ont été massacrés en gare étaient des terroristes? Qu'est-ce que ce bébé de 8 mois a fait de mal? Et ce bébé de 8 mois était-il aussi un terroriste? Quel est le péché de cet enfant, de ce bébé de 8 mois? C'est d'être venu au monde, c'est ça? Vous avez organisé un simulacre d'élections législatives qui a été boycotté à 100% par cette population. Ok? C'est donc les populations que vous massacrez tous les jours, que vous voulez gouverner? Monsieur Paul Biya, c'est donc les populations que vous massacrez tous les jours? C'est à cette population-là que vous voulez réserver un statut spécial? C'est une population que vous massacrez, que vous tuez tous les jours, comme des chiens, comme des chenilles, que vous voulez continuer à gouverner? Dites-moi, monsieur Paul Biya, vous écoutez, je suis sûr qu'on vous transmettra cette vidéo. Parce que je suis très en colère. Et trop, c'est trop. Les massacres, c'est trop. Le carnage, c'est trop. Ça en est trop en zone anglophone. Je suis très en colère. Vous avez recruté un malabar là, au nom de Gérard Ngala. C'est avec sa milice que votre armée est allée massacrer ces jeunes gens dans le Ndonga Mantum. Vous trimballez cet imbécile là, cet animal là, comme un trimballez rentemplant. C'est votre rentemplant là-bas, Ngala Gérard, le bandit là, qui dit qu'il veut être député.
yo jiranga are you ashamed of yourself? Who do you want to roll? Do you want to roll a people who is killed every day by terrorist soldiers? You want to be a parliamentarian, right? To roll who? The people who are people who are killed every day? Are you ashamed of yourself? Are you mad? My goodness. Voilà donc la République que vous voulez réserver à des gens qui ont choisi de se joindre à nous en 61. Regardez, une République poubelle où les êtres humains, des individus, des citoyens sont massacrés comme des chiens. Regardez ça. Le colonel Bambi avec ton gros ventre là. Moi, je t'avais promis que toi là, le reste de ta carrière là, je vais la pourrir comme tu as pourri ma vie au Cameroun. Maintenant, entendons-nous, toi et ton autre là, ton blanc là, ton chien de garde là, où c'est l'adjudant Tiam Kwam là. Bon, dites-nous alors maintenant, qui est terroriste après tout ce qui s'est passé là maintenant au village là? Qui est terroriste maintenant? C'est moi. C'est moi qui suis terroriste. Ou alors ce sont vos soldats que vous envoyez là-bas. Qui est terroriste là maintenant? Qui est terroriste? Qui est terroriste? Je ne vais pas trop bavarder avec vous. Je ne vais pas trop bavarder. Cette vidéo, je ne la voulais pas longue, parce que c'est une circonstance assez grave. Je ne vais pas trop bavarder avec vous. À partir de cet instant, les choses sont suffisamment claires. Nous savons désormais qui est terroriste en zone anglophone. Et la guerre que vous avez déclenchée là, comme vous dites, passez le temps à dire là que oh, vraiment, maintien de l'ordre avancé. Ça là, ce qui s'est passé le 14 février là, en Dongamanton là, les 25 que vous avez tués là-bas, y compris une femme enceinte, un bébé de 8 mois, ça, vous avez alors déclenché la vraie guerre, comme vous dites. Dans vos bureaux, au ministère de la Défense, à la présidence de la République, partout là. Non, la vraie guerre n'a pas encore commencé en zone anglophone. La vraie guerre va donc commencer là, désormais. Parce que trop, c'est trop. On est obligé de vous accepter. Les gens ont dit qu'ils ne veulent plus de vous. Ramassez. Si la guerre vous dépasse déjà, emballez vos affaires et puis sortez. Vous êtes heureux. On est obligé de vous accepter. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes incapable de vous asseoir sur une table de négociation. Parce que, soi-disant, vous ne voulez pas vous asseoir sur la même table que les terroristes. Parce que vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous valez quoi? Vous qui gouvernez à Yaoundé, là, vous valez quoi? Au Mali, voilà Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, qui est sur le point d'entamer des négociations avec des djihadistes qui ont pris le nord du Mali en otage. Vous êtes qui? Vous ne pouvez pas vous asseoir sur la même table que les séparatistes. On vous demande de résoudre un problème dans le cadre, vous utilisez les armes et au lieu même d'attaquer les vrais gens, vous vous acharnez sur les civils, des innocents, sans armes, des petits enfants de 10-15 ans, des bébés de 8 mois, des femmes enceintes. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? C'est qui ces feignants-là qui se prennent pour Jupiter? Qui sont-ils? C'est donc cette République-là que vous voulez leur imposer. C'est donc ça le statut spécial. C'est ça que vous voulez leur imposer. Quand ils se sont alliés à nous, là, en 61, c'était pour que vous leur accordiez un statut spécial. Quand l'ONU a voté une résolution en le 19 avril 1961, c'était pour un statut spécial. Ben dis donc, n'importe quoi. Je ne vais pas trop bavarder avec vous. Je vais terminer en appelant mes frères et sœurs qui sont dans le Southern Cameroon, parce qu'il s'agit de Southern Cameroun. Fichez-moi la paix avec nos histoires de Nord-Ouest, Sud-Ouest. C'est des conneries, ça. My dear brother, my dear sister, please, listen to me. My name is Michel Biyentomo.
Somewhere in the Western Africa. I'm asylum seeker here. Please, my brother, my heart is bleeding. To avoid another Ngar to happen, it's time now to carry a weapon. Yes, in your homes, please, if you have able boys in your home, let afford a weapon to him, please. Because it's time now to defend yourself, because self-defense is a fundamental right. Okay? Because by now, you are not dealing with a Republican army. You are dealing with genuine terrorists. So please, if you have able boys in your home who can carry weapons, who can carry AKs or chabum, please give it to him. Please. In order to avoid another massacre, which is still to come. Because they cannot stop here. They will continue to kill you like chicken, like dogs, to crush you like a mosquito. Please do it now. Alors cette vidéo, je ne la voulais pas longue parce que je voulais laisser les familles faire leur deuil. Merci d'avoir écouté et puis rendez-vous à la prochaine pour une autre séance. Bonjour ou bonsoir.